Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc toujours chez DC Performance. Et là je suis avec mon ami O'Connor. Donc on va vous filmer un joli 330 XD. Voilà, en stage 3 bien sûr, forcément. Chez DC Performance c'est la base quoi, les stage 3. Donc aujourd'hui on a voulu changer. C'est moi derrière, c'est moi qui tiens la caméra. Et c'est Tonton O'Connor qui va nous présenter la voiture. Et pour ma chaîne YouTube, la prochaine vidéo, eh ben on fera l'inverse. D'accord? Donc bah je vais vous laisser et puis s'il dit des conneries, bah, je vais le reprendre et je lui mettrai une petite tarte derrière la tête. Ah là là, quelle blagounette. Voilà frérot, la famille, salut à toutes et à tous, effectivement. C'est vrai que ça c'est une idée à Damien de faire un petit changement, parce que c'est vrai qu'on fait toujours les mêmes présentations et c'est vrai que c'est cool. Même moi, ça me fait plaisir, tu sais, de pas tenir la caméra. Parce que de tenir une caméra, tu sais, j'apprécie pas le moment comme vous, tu vois, ouais. Quand vous tournez. Et moi ça me plaît de tourner. Et là c'est bien, on va voir si t'as retenu un petit peu la base de prépa, donc je lui ai rien dit sur la prépa. Effectivement, il nous manque. Je vais lui poser quelques questions. Ouais. Voilà. Et s'il répond mal, faudra qu'il donne un cadeau à un abonné. Voilà. Ah, ça, y a à pas chaque de souci. Mauvaise réponse. Et ça... un petit cadeau. Soit je le fous dans la merde. T'as vu, je peux pas leur dire non maintenant. Ah, je peux pas leur dire non. Tu sais que je peux rien leur refuser à mes abonnés. Il n'y a pas de souci, les amis. Vous le savez, demandez-moi ce que vous voulez. Un tour de GTR, un tour de M2. Est-ce que vous voulez que je froisse la M2 à Damien aussi? Parce qu'il ne l'a jamais froissé. Eh ouais, mon frérot. Ça, c'est oui. Le soleil, vous avez vu, il tape sur la tête et il dit n'importe quoi. Il n'a jamais froissé la M2. Elle est comment je peux dire ça? Elle n'a jamais froissé. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Il veut faire des tours de rond-point avec la M2. Oui. Je lui dis, c'est un peu trop puissant. Dites-nous, les amis, si vous voulez que je froisse la M2 à Damien dans un rond-point, vous l'écrivez et c'est promis, on le filme et on le fait, il n'y a pas de souci. Bon, sinon mon ref, effectivement on est là pour présenter donc une 330D XD E92. Alors forcément XD pour 4 roues motrices. Bon, c'est vrai que souvent, tu sais, chez BMW on préfère plutôt les propus, certaines bien personnes sûr préfèrent les propus, mais c'est vrai que le XD, le X-Drive est quand même un système ultra efficace. Et beaucoup de personnes se tournent aussi vers ce système-là, suivant où est-ce qu'ils habitent. Mais ils aiment bien avoir aussi la sécurité d'un 4 roues motrices. Moi, tu vois, franchement, les XD, niveau sensation, on ressent pas vraiment... Ça gomme toujours un peu, ouais, effectivement. Voilà, ça bouffe un peu la puissance. Et ça, là, je voulais vraiment que tu la filmes. Ouais. Parce que vraiment... Autant, bon, elle patine pas. Oui, oui, oui. Mais autant au niveau ressenti, ça pousse vraiment. Vraiment l'impression d'être dans un, tu vois, dans un propu. Franchement, elle l'arrache. Là, c'est vrai que les amis, je l'ai pas essayé. Donc, le véhicule a été fini hier, donc par Damien. Il y a eu un passage au banc qui a été effectué dessus et je ne l'ai pas encore essayé. Donc là, je vais être brut, je vais la découvrir en même temps que vous. Et c'est vrai que c'est bien aujourd'hui que tu tiennes la caméra, puisque donc c'est moi qui vais réaliser donc l'essai. Et je vais vous dire de suite mes impressions, si effectivement on sent bien quelque chose ou pas, ou moins qu'une propu ou pas. Je vais vous dire la vérité, voilà, de ce que je pense. Sinon, pour revenir sur le véhicule, c'est un 330 XD, donc 92, non pas qu'aime. C'est vrai qu'on en passe beaucoup de Pakem, c'est un non Pakem et c'est bien aussi de voir des non Pakem. On peut quand même mettre 2-3 petits accessoires, tu sais, pour les modifier sans mettre des pare-chocs M. Alors forcément, bon, c'est un pare-choc d'origine sur la E92. On a toujours cette petite maladie là des caches au niveau des laves phares qui partent. Puis il y a les deux. Ouais, il y a les deux, mais c'est souvent. Hein. Ça, c'est souvent. Donc, dès que tu mets ton coup de phare avec du xénon et que tu veux laver tes phares, et ça part. Ça arrive, c'est pas grave. Sinon, le client, le frérot, hein, on va dire le frérot, j'aime bien dire ça, donc a mis des feux style DTM, tu vois. Donc, on n'est pas sur des Angelize tout rond, on est avec le trait d'en bas, tu vois. Et ça, ça rappelle les séries F et surtout sur les séries DTM, donc de course qu'il y avait. Comme je vous ai dit, donc c'est un pare-choc non M, hein, donc c'est cool. Bon, mon ref, hein, ouais, on est d'accord. Tu commanderas une belle petite paire de calandres, c'est cool. Sinon, par rapport aux jantes, eh bien, moi, je suis un amoureux de ces jantes. Donc, c'est des jantes type BBS, CH ou CHR. Ça dépend parce qu'il y a eu plusieurs versions, mais je suis un grand fanat de ces jantes-là sur E90, E92. T'as vu, il a mis les disques percés. Hein. Eh oui, il y a des disques percés, effectivement. Avec, bon, ça, c'est le freinage d'origine. Bon, freinage BMW, on le sait, ça freine bien. Ça manquera peut-être un peu d'endurance, mais en général, pour ce genre de véhicule, on n'a pas besoin d'avoir des étriers 6 pistons comme sur une M. Donc là, elle est vraiment dans une configuration classique, parce qu'en général, tu sais, on retrouve toujours la coque toujours, de rétro avec... De chez Tonton Ali. De chez Tonton Ali, hein, la base ou de Wish. Vraiment. Mais moi, je le kiffe. Hein. Ah oui, sur ma série 4, j'avais ça, et sur la M, c'est pareil. Moi, j'ai beaucoup de Wisherie, ah oui, non, mais et j'assume. Tu vois, pour moi, mettre une coque à 300 balles et risquer de les faire voler ou casser,
t'es pas bien, tu les mets à 30 balles, t'es tranquille. Il arrive quoi que ce soit, tu en recommandes. On a acheté 10. Non, oui, c'est ça, il faut en avoir en avance. Donc il n'y a pas de Shadowline, hein, on est sur du chrome. Et tu vois, ça fait plaisir. C'est pas mal. Hein. J'aime bien cette configuration, tu vois, avec ce noir profond et ces vies teintées avec ce shadow. Tu vois, ça me fait penser un petit peu ouais, à l'esprit pour... à l'américaine. Sans être un pack M ou autre ou quoi que ce soit, moi, je la trouve mignonne, sympa. Ouais. Elle a le noir profond. Hein. Ouais. Elle a un noir vraiment profond. Donc ça, c'est un code couleur aussi chez BMW. Si je vous raconte pas de bêtises, c'est le Black Sapphire. Le Black Sapphire, c'est celui qui est vraiment profond chez BMW. Et franchement, ça va bien. Petit ouvrant. C'est cool ça. Avec le soleil qui fait, c'est très intéressant. Ouais, avec le soleil qui fait, effectivement. Donc toujours les BBS CH ou CHR, donc à l'arrière. Moi, ce que j'aime bien, je suis fan de cette petite casquette. Ouais. Elle est pas mal. Hein. Ah ouais, elle est sympa. Hein, elle est vraiment sympathique et elle est assez large. Ça change un petit peu des toutes petites timides qu'on voit. Et sur du full black, tu vois, et bien franchement, ça le fait. Moi, j'aime bien. C'est vraiment une casquette que je mettrais si j'avais une 92, tu vois. D'ailleurs, c'est mon futur projet. Tu vois. Oh. Oui, je compte donc passer de la E60, je kiffe la E60, à une E92 parce que la E92 c'est mon premier amour sur les 35D et d'accord. J'ai envie de m'en reprendre une. Et comme la petite princesse maintenant est grande et qu'elle n'a plus besoin de poussette, je peux me permettre de revenir sur un coupé. Ben, donc ça fait plaisir, ma chérie, Asia, je t'embrasse. On l'embrasse tous, merci mon ref. Là, donc par rapport au PC, c'est pas un PC donc de pack M. Je me demande si c'est pas un peu une réplique d'un pare-choc, tu sais, de type M3 E92. Je te cache pas que j'en ai jamais vu des comme ça. Voilà. Ouais. Avec une double sortie à gauche. En fait, si tu veux, là, je vais te le préciser parce que tu le sais pas. Yes. C'est que le mec, il a mis ce pare-choc là, mais il va le dégager, il va remettre un pare-choc soit pack M ou. Ouais. Donc du coup, nous, on lui a fait une simple sortie. À gauche. Mais ouais, voilà ça. Ah d'accord, parce que là, comme j'ai vu qu'il y avait, tu sais, un emplacement ici, je me dis peut-être qu'il va faire... Il fera rien. Okay. Pour les perfs, c'est mieux de rester en quasiment mono-sortie sur 330 que d'accord. De faire un Y avec des coudes, tout ça, etc. Okay. Tu vois ce que je veux dire. D'accord. Les gaz d'échappement vont dégager plus... Ouais, ça, tu me l'as toujours appris. Plus c'est droit, moins la perte. Ok, c'est pour ça d'ailleurs que je rajoute encore une petite chose. Eh, on va croire que c'est moi presque qui travaille chez DC Performance. Les downpipe qui vendent sur eBay, tu sais, avec le gros coude là. Ben c'est pas bon. Eh oui. Voilà. C'est vraiment pas bon. Eh ok, oui. C'est pas cher, vrai. Après, sur un stage 2 ou sur un stage 3, c'est vraiment pas bon. Ça va nous limiter à mort. Ouais. Et tu peux avoir aussi des risques de casse moteur à cause de ça. Eh oui, tout à fait. Donc si tu veux, ça te crée de la contre-pression. Ouais. Donc forcément, ton turbo échauffe, ton moteur échauffe, ton échangeur échauffe. En fait, c'est un cercle, tu vois. Moi, je te cache pas, Damien, je te le dis de suite. Tu sais qu'on a été un petit peu dans le monde des runs, etc. Moi, j'ai vu dans des runs fermés. Tu sais que quand on parle de run, on fait toujours attention, mais dans des choses officielles et organisées, eh ben, tu prends 2 35D ou 30D en stage 2, eh ben, s'ils n'ont pas le bon downpipe, ça fait une petite diff. Ah bah bien sûr. À l'appuyer, ça se sent. Ah bah bien sûr, ouais. Mais clairement. Ouais. Donc voilà pour cette histoire downpipe. Non, sinon franchement, les amis, moi j'aime bien cette config, elle est sobre, elle est classe, et ça fait du bien d'en voir une non pack M, donc c'est cool. Ce qu'on va faire, on va vous montrer un petit peu l'intérieur. Ouais. D'accord. Et puis on vous montrera la partie intéressante. La partie moteur. Allez. Là où on risque de rigoler. Impeccable. Bon les amis, hein, l'intérieur de cette E92, c'est vrai que on est bien dans les sièges, tu vois. Et j'ai envie de te dire une chose, c'est que les sièges donc non sport, non M, sont plus confortables. Ouais. Hein? Surtout pour les gros gabarits. Surtout pour les gros comme nous, hein, qui mangeons pas mal de kebab. Ah oui, là, c'est... Je reconnais que, alors, visuellement et de toute façon psychologiquement, pour mon cas à moi, hein, je préférerais toujours avoir les M, hein, avec cette partie qui est rétractable ici. Mais je crois que c'est une des premières fois que je monte dans une 92 comme ça, non M. Et bien, tu vois, je suis pas ici, je suis pas écrasé. Tu es bien. Ouais, je suis bien et je vais déguster. Tu vois, là, franchement, c'est le top. Donc on est confort. Sinon, ben, c'est un intérieur classique de 92. La chose que j'aime bien, c'est ça. Voilà, le pommeau de vitesse. Ouais, pommeau de vitesse qui est rétro-éclairé. Ça, c'est vrai que ça se vend, je me rappelle. Sur ma première au 92, j'en avais un qui était non rétro-éclairé. Et ils ont fait des rétro-éclairés maintenant. Donc ça fait, visuellement en tout cas, ça fait vraiment une belle petite touche. Et il existe un autre modèle, tu sais, avec vraiment le levier de type Cobra. Comme sur une E60 ou une E63 avec les palettes. Qui est aussi bien fini, mais en tout cas, ça lui donne une très belle touche. Sinon, c'est un intérieur, tu vois, pas beige de l'époque, de l'ancienne, tu sais, de la E39 TDS qu'on pouvait retrouver. Il est un peu plus clair. Il est joli, il choque pas. Avec ses inserts ici, hein, en gris. Et dommage, il manque un truc là. Ah là, il manque les ports gobelets, clairement. Alors là, je t'explique. Tu vois, je peux pas partir en Espagne parce que je mets mes Red Bull. Alors là, je sais pas. Sinon,
On a ici un CCC. Ah, ça, c'est le prochain tournage, ça, tu vois. Là, ici, on a donc un CCC. Hein, donc, c'est le vieux système. Mais bon, ça lui arrive des fois de tomber en panne. Mais bon, on a grandi avec ça, donc c'est cool. Et sinon, ben, pour l'intérieur de cette 92, qui est classique, il n'y a pas de ciel de toit, hein, comme on peut le constater en noir, ben, forcément, hein, parce que c'est un pack luxe. Et sur la 92, ce que j'ai toujours aimé, c'est qu'il y a de la place à l'arrière. Il y a de la place. C'est moi qui ai possédé, par exemple, une 635D E63. C'est beaucoup plus long, hein, comme voiture, et ben, il y a moins de place à l'arrière. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de place, donc ça, c'est cool. Sinon, pour le volant, bon, il n'y a pas de palette, on s'en fiche. Siglé le compteur là, de gradué jusqu'à 280 km/h. Et sinon, voilà, pour l'intérieur classique de cette E92. Bon, on va passer sur la partie moteur. Eh oui. Mais je ne connais pas, hein, donc je connais pas absolument pas mon exposé. Hein, on va se rappeler un petit peu de l'expérience que j'ai eue ici chez DC Performance. Hop, je te laisse faire. Tu vois, ça c'est le... Tu le doigté. Ouais, le tac, tu vois, le oui, tu vois le ce doigté. Que je veux dire. Ouais, on peut dire ça comme ça, je sais pas. Ça, c'est du direct. Ok. Bon, alors, pour cette préparation, on a affaire donc à un M57. Donc, c'est un 330D hein, qui développe d'origine 231 chevaux. Donc là, de ce que je peux constater à vue d'œil, déjà, pour fiabiliser l'engin, on a supprimé ici le refroidisseur, donc EGR, qui peut poser problème, peut avoir tous les symptômes des joints de culasse, mais ça n'est pas un. Exact. Donc, il y en a qui ont fait des bonnes affaires comme ça sur Internet. Ils sont allés voir les mecs, c'est un joint de culasse, ils ont juste changé ça ou l'ont supprimé. Et ils ont eu la BMW pas cher, suppression je suppose aussi donc devant EGR. Voilà ici, suppression de clapet, ça c'est la base, c'est que vous le faites tout le temps. Test de retour d'injecteur. Jusqu'à là tout va bien. Jusqu'à là tout va bien, t'as vu je... Il veut pas donner de cadeaux aux abonnés. Hein. Ouais, frérot, je suis un bon, je connais... Là tu vois je peux te dire qu'à vue d'œil aussi vous avez fait une belle surale sur mesure. Ça je sais que ça c'est, je reconnais ce travail. Ça je sais c'est qui ces soudures là. Ouais, ça c'est Anto ça. Et oui. Il bosse trop bien, mon chéri. Toto Performance. Ouais. Il est trop bon. Il est trop bon. Bon, après, si on va parler des choses qui fâchent, je pense qu'il y a un capteur 50D. Il est où? Le capteur 50D? Il est là. Ouais. Eh oui, mon roi. Hein? La pompe R90, elle est où? Ah, la pompe R90, frérot, elle est là. Elle est en dessous, mamie. Elle est là. Elle est juste ici, là. Ok. La R90, obligatoire. Il faut savoir aussi que quand on fait ce capteur-là, il faut raccourcir un petit peu la rampe. Et de combien de millimètres? Eh, frérot, là, tu m'en demandes trop. Ouais, le premier cadeau pour c'est pas mon travail, ça. De 0,2? 0,8? 0,6? Le premier cadeau pour l'abonné. Bah, tu leur diras quand même à eux. Ça, je après. Il faut couper entre 2 et 3 mm maximum. Voilà. Pas plus et pas moins. Bon, ben voilà. Sinon, ça fuit. On retient. Et couper droit, pas de travers. Si vous coupez de travers, ça va fuir aussi. D'accord, ok. Bon, ben voilà, comme ça, on le saura. Je suppose qu'il y a un turbo qui vient donc de chez toi. Ouais. Voilà. Alors, ce que c'est, ne me demande même pas. Hein. C'est un 3073. 3073 ouais. Ok, très bien. 3073. Qu'est-ce que tu as fait encore un stage 3 de boîte? Ça c'est sûr. La gestion by you de chez vous. Qu'est-ce qu'on aurait oublié comme pièce perf? Un échangeur? Ouais, très bien. Hein, obligatoire, un échangeur. Wagner Evo 3. Wagner Evo 3. Si tu l'as pas vu, je peux pas le savoir. Oui. Wagner Evo 3, voilà, okay. Donc ça coûte assez cher, mais ça fait vraiment son travail. Ouais. Et il y a une différence entre les faux et les vrais quand même? Ah bah oui, clairement, gros. Voilà. Est-ce que je voulais savoir? Ah non, ça a été une polémique, tu sais, il y a quelques temps sur Facebook. Alors, pour ceux. Je vais montrer un peu ma tête. Pour ceux qui veulent, voilà, il y a le Wagner Evo 3 qui est très très bien pour un stage 3 et vous avez le VRSF 7.5. Après, le VRSF, il n'est pas plug and play. Bon, comme le Wagner, hein. Mais il y a énormément de modifs à faire sur le VRSF 7.5. Il est un peu moins cher. Je crois qu'il est à 600 euros et avec les douanes, on l'a à 850-900 euros. Et le Wagner Evo 3, il est à 1003. Mais il y a toutes les durites qui vont avec le Wagner Evo 3, donc ça, c'est pas mal. Petite question, mon ref, il n'y a pas besoin de couper la traverse? Non. Ok. Non, mais il y a énormément de cache plastique à côté. Ouais. Que sur ma 235i en stage 3 que j'avais eu à l'époque, il fallait découper la traverse parce ça c'est très bien. Sinon, j'ai rien oublié. La ligne en combien? En 82? Deuxième cadeau pour l'abonné. Non, je rigole. Non, je peux pas l'avoir ça. Downpipe 89, ligne 76. D'accord, ok. Bon, ouais, comme ça, on le saura. Et c'est tout, les injos? D'origine. D'origine, voilà. Injos, pompe, capteur. Turbo, ligne, échangeur, la surale, admission, la surale. Surale sur mesure aussi. Ouais. Et puis c'est tout. Hein.
Et puis c'est pas mal déjà. Tu vois quand même que tonton, il pourrait quand même bosser chez toi en tant que secrétaire, tu vois. Oui, en tant que secrétaire. Secrétaire, oui, bonjour, vous voulez faire une prépa, alors il vous faudrait ce turbo, cette admission, etc. C'est pas si mal quand même. Hein. Elle est mignonne en plus, la secrétaire. Ouais, je sais que je suis fraîche. Moi, je signe. Ouais, encore, oh, t'inquiète, tu le sais, moi. Bon, moi, ce que j'ai envie d'aller l'essayer. Donc, on va aller l'essayer. Et ça fait vraiment plaisir, en tout cas. Allez, ouais, on ferme le capot. Allez, allons faire le petit test. Donc, les amis, hein. Non, c'est toi qui parles ? Ben ouais, frère. Allez, vas-y, fais le commentateur, allez, vas-y. Bon, les amis, nous sommes donc à bord du 330 XD. Donc là, on se dirige pour faire l'essai routier sur piste. Bah écoute, franchement, moi déjà, au premier abord, comme je t'ai dit en début de cet essai, je me suis réconcilié un petit peu. J'avais peur de repartir sur une 92 et de perdre mon confort de la E60. Forcément, parce qu'une 60, ben, c'est plus typé confort. Mais avec les sièges ben, comme ça, non, hein, ben, désolé, mais ouais, c'est beaucoup plus confortable. On y est bien. Il faut savoir que moi, côté passager, je suis une vraie trompette. Donc, t'as pas intérêt à faire le con, frérot. Ah non, c'est pas ma voiture, t'inquiète. Ouais, en plus de ça. C'est pas mon véhicule, t'inquiète pas. Sinon, ben, au 92, hein, on est... là, je sais pas, la sensation, tu vois, était un petit peu... Tu sais, je retrouve mon amour de jeunesse. C'était un rêve, hein, moi, la 35D, quand elle était sortie à l'époque. Hein. La première que j'ai eue, c'était il y a 6-7 ans. Et je te dis qu'à l'époque, quand tu avais un 35D au 92, attention, tu avais vraiment un sacré gamos. Et quand on voit les tarifs, moi, c'est les tarifs, hein, qui me font rêver au jour d'aujourd'hui. Alors, j'ai toujours eu des vrais paquets, hein, sur ça. Pour moi, en tout cas, c'était obligatoire. Et bien, quand on constate le prix de l'époque et d'aujourd'hui, je te promets, il n'y a pas eu beaucoup de décotes. Une 35D aujourd'hui, pas KM, même pas phase 2, c'est 14-15. Ouais, c'est ouf. Avec 220 000 km. Bon, après, tu le sais, ils ont toutes entre 180 et 230 000. Ah, oui, ils n'ont pas plus. Bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Mais, on constate aujourd'hui que même pour une E92, un 330D au 92, même non pas KM. Là, si je devais l'estimer celle-ci, au prix du marché du bon coin, sans prépa, hein. Je parle pas de la prépa, hein. Je parle du normal, on serait au moins à 10 000 balles. Ah oui. C'est les prix, mais minimum, hein. C'est vraiment la base de la base. Entre 10 et 11, voire 12. Hein. Ouais, voire 12, quand tu as un petit historique et pas mal de factures, poulies d'ampères changées, etc. Donc, la E92 après, mais ça c'est global au BMW, au niveau de la courbe, elle a ultra bien vieilli. Une E92 aujourd'hui, c'est trop beau. Et surtout quand tu la prends en LCI, quand tu la rajeunis un petit peu, tu sais, tu la mets au goût du jour avec les feux à l'arrière à LED, les phares à l'avant aussi, la face avant qui a changé, le petit capot avec ses traits, la façon série F, une E92, c'est toujours dans l'air du temps. C'est sorti en 2006. Elle est en 2023. Il aime bien quand je lui fais des papouilles. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait là je suis en train de te faire chier parce que je te raconte ma vie. Il aime bien, il aime bien, il aime bien. Mais c'est vrai que c'est pour moi la E92. Je vais me faire peut-être critiquer, mais une des plus belles séries 3 avec la E36. Toi. C'est mon opinion. C'est mon opinion, les amis, elle est peut-être pas vraie. Et on accepte. Et on accepte, bien sûr, de toute façon, chaque série, elle a son truc. Mais pour moi, chez BM, en série 3, c'est E36 et E92. C'est comme ça. Tu vois, je te parle pas de la des nouvelles séries, bon, de la F80 qui est passée de la G80 qui est en berline maintenant à M3. Là, on partirait encore sur une autre histoire, mais franchement, la E92 c'est quelque chose et j'aime cette voiture. Donc, on n'a pas de palette au volant, d'accord? Non, il va falloir que tu passes les rapports. Ben, ça fait plaisir. Il faut anticiper un peu le truc parce qu'on est sur une 6HP 26 de mémoire, c'est ça? C'est ça, monsieur. Mais t'as vu? Mais c'est pas mal. Hein. Je veux vraiment pas faire de cadeau, mais je vous les ferai quand même, les amis, c'est promis. Ah. Bon, on va se mettre en deux, d'accord? Mets bien la caméra sur moi parce que je sais que c'est trop puissant, d'accord? Et comme ça, je vous donne d'entrée ben, ma sensation, vous allez voir ma tête, tu vois, se décomposer ou pas. Ça marche. Ah, ça marche. Ça marche. Alors la boîte, on le sent. On sent, tu sais, ce petit truc là, comme la précédente vidéo. Ah oui. Mais j'aime bien. Tu sais, ça donne ce charme. Ça en fait penser à une boîte méca. Ouais, ça une boîte méca. Un c'est ça, on dirait. Tu reprends la tête en arrière un peu, tu vois, chaque rapport. Tu te sens maître un petit peu du véhicule, tu vois. C'est toi qui contrôle le truc et le fait d'avoir cet accou là, ouais, t'as l'impression d'avoir la boîte méca. Par contre, ça monte sec. Hein.
Ah oui. Là, ah, ça se couche en deux. Ah, c'est vrai que de tirer. Ouais, je vais faire le tour là. De tirer ça d'un 30D, c'est bon. Il nous en reste un. Il nous en reste un, ouais. Et je suis là, tu le sais. Bon, là, tu vas leur montrer à eux parce que on va pas leur montrer toujours, tu sais, ma sale ganache de l'été, pas coiffée. PLS, les garçons. Ouvre un peu là, ta tête. J'ouvre un peu. Ouais. Ça tourne là-bas un peu. Joli. Hein. Vas-y. Oh, mais ça tourne. Mais tu es sérieux quoi, y'a rien. Vas-y. Oh, troisième. C'est pas ta... Troisième. Ah, il arrache. Hein. Arrête. Tu fais taiser, frère. Oh, frérot, détends-toi, la famille. Oh. Non, j'aime pas, moi. On n'est pas là déjà, comme ça. C'est pas côté. Tu es avec où, Connor, et dans un X-Drive. Tu risques rien. Oui. Franchement. En plus, elle est sécurisante, la voiture. Elle serait très... Moi, mon rêve, tu vas me lâcher ta M2. J'ai pas envie qu'on se mette à filmer en haut, t'as vu. Mais non, t'inquiète pas. Même d'en haut, on filmera. Mais de là, ici, là. Tu es avec moi, tu risques rien. Va tout droit. Tout droit, là-bas. Ouais. Vas-y, si tu veux. Mets un petit coup de troisième. La troisième, elle est sympathique, hein. Ouais, c'est vrai qu'elle est hard. Hein. Troisième, reste sur ta petite tête. Reste sur ta petite tête. Tu vois, moi, j'aime bien. Arrête. Regarde la courbe, vie de ma mère. Arrête. Elle passe bien dans la courbe, tu vois. Non, mais tu vas me dire. Ferme ta gueule, là. Ferme ta tête, frérot. Ouais, bah ouais, mais je contrôle pas. Et tu vas me faire dire des bêtises dans ta vidéo. Mais non, mon ref. Tu risques rien. Franchement, tu risques rien. Alors, attends, tu roules un M2 compétition. C'est la première vidéo, c'est la dernière vidéo que je fais derrière la caméra. Pourquoi? Parce que quand je te dis stop. C'est stop, on appelle ça du viol. Mais là, j'ai rien fait. Viol en voiture. Mais je te jure que j'ai rien fait. Tu dis non et tu continues. Ah, attends, je vais te ramener la M4. Tu sais quoi? Non, mais tu m'emmènes. Je vais t'envoyer en enfer là-dedans. Tu vas voir. En enfer, tonton à crabe là-haut sur. Ah oui, bah, là, ça, on l'attend, ça, tu le sais. Mais bon, tu as vu la dernière fois. Franchement, je vais pas te mentir, je sais pas comment tu fais, gros. Moi, je pourrais pas, moi. Pourquoi? T'es passager comme ça avec des gens et tout. Tu vois, je te connais, regarde comment je suis. Alors, c'est mort, des gens, je connais pas, gros. Franchement, c'est pas pour dire, on s'est pas mis. Tu sais, une BMW, après, c'est pas parce que. Là, en plus, on est sur une X-Drive, mais même en propu, c'est pas parce que c'est une propu qu'au premier virage, tu vas te casser la gueule. Je m'en fous. Et je t'ai dit, je sais pas comment tu fais. J'espère que t'es bien payé. Oh yo. Alors, le sujet qui fâche, les amis, je vous assure vraiment. Il m'a dit 5000 euros par mois. Oui, mais tu sais. Alors, tu sais quoi, si je serais à 5000 euros par mois, franchement, hein, sur YouTube, tous les mois, j'organiserais, t'as vu, pour 500 ou 1000 euros de jeux concours. Ça, c'est mon rêve. Parce que vous le méritez tous, hein, tout ce qui suit, etc. Mais si on n'y est pas encore, hein, je pense que le jour où je suis à ça, la seule chose qui changera en moi, ce sera ma voiture. Tout le reste, ça ne changera pas. Il n'y aura pas de montre extravagante, ni, tu sais, de marque extravagante. Je m'en fous de ça. Vous le savez, moi, je suis un mec assez brut, hein, je suis à l'ancienne. Moi, je suis avec mon survêt Lacoste. Pas Lacoste, excusez-moi, ça c'est quand j'étais plus jeune. Ça c'est Lacoste qui. Non, ça c'est quand j'étais. C'est Lacoste. Ça c'est quand j'étais plus jeune. Le crocodile, il lui manque des dents. Non, mais c'est pas grave, on l'a abandonné le crocodile. Aïe. Moi je suis avec mon survêt Puma, siglé BMW. Tu sais que même quand je roule en GTR, je suis avec mon survêt BM. Et siglé BM, les mecs ils pètent les plans. Vas-y, accélère en deuxième là. Tu veux que j'accélère en deuxième? Ah oui. Là. C'est bon. Tu vois là. Putain, elle marche ça. Elle marche, hein. C'est moi qui fais ça? Ben c'est toi qui fais ça, c'est ta réalisation, mon frère. Oh con. C'est moi qui va se tuer avec ça, frère. Non, elle est pas traite. Non, elle est pas traite. Bah, de toute façon, ça existe. Je t'assure qu'elle n'est pas traite, tu vois. Ça sera pas. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Là, tu vois, par exemple, on est en pente, tu vois. Et là, tu vois, quand j'accélère, tu vois. Voilà, là. Là, tu passes. Là, là. Ça, merde, t'entends le bruit. Là, c'est regarde. Bon, c'est là, là, tu vois. Voilà, mon ref. Il y a la clim, mais je transpire. Il y a la clim. Alors ça, c'est ce que je subis des fois, je te cache pas. Hein. Ah. Tu sais, je suis un peu comme toi, hein. Ça m'arrive d'être une jarrée. Hein. Mais quand ça m'arrive, j'avoue que je transpire, tu vois. On est d'accord pour un X-Drive, franchement, moi, je trouve qu'elle envoie sa race. Ben, moi, je la trouve pas gommée, voilà. D'habitude, c'est gommé. Là, le seul truc qu'on a l'avantage du X-Drive, c'est que ça patine pas, d'accord. Mais c'est vraiment le seul truc. C'est-à-dire que tout le reste, il n'y a rien qui est gommé. On a le même truc, une propu, ça part. Et quand tu vois, ça charge au fur et à mesure, eh ben, on ne sent pas ce truc, tu sais, que ça te bouffe de la puissance en régime, tu vois. Au fur et à mesure qu'on monte, eh ben, continue à coucher le compteur. Et c'est une belle réalisation, frérot.
Ah, franchement, moi, ouais, j'ai vraiment bien aimé, tu vois. Tu m'en prépareras un jour ou pas, tu penses? Ouais, mais tu la filmeras toi tout seul. Ben non. Ah non, moi c'est... Ah non, non. Oui. Pourquoi? Ah, je veux rien savoir. Non, n'aie pas peur. Ah si, si, j'ai peur. Si, là, je suis pas bien. Franchement, les amis, je vous jure... Mais toi, t'as l'air à l'aise, comme sur un canapé. Ben ouais, là, frérot... Là, tu le sais, il me manque juste un petit truc. On le dira pas en vidéo, parce que j'ai ma mère qui regarde la vidéo. Et Red Bull. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais tu vois, un joint de culasse. Mais sinon, franchement, non, on est bien dans cette voiture, les amis, je vous assure. Elle est bien équilibrée. Et la E92, il faut savoir qu'elle est équilibrée à 50-50 d'origine. Elle a toujours eu un bon châssis. C'est on a fait écouter le bruit, là, vite. Allez, fait. Vas-y. Tu leur mets devant, une dernière vue devant, voilà. C'est pour mes abonnés. Tire un peu. Là. Je pars en deux. On tourne. Ma che bella, troppo bella l'accélération, c'est du bon boulot, c'est un job que je kiffe, là je prends du plaisir. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un petit peu, on a voulu faire cette petite modification pour vous et pour sa chaîne surtout. Ouais, c'est comme cool. Ça, moi, il se retrouve derrière la caméra un petit peu sur sa propre chaîne ça YouTube. Et puis moi aussi, ça m'apprend aussi à tenir une caméra. Donc, c'est facile le métier, ça va? Bon, c'est cassé les couilles, surtout côté passager, c'est mort, c'est pas pour moi. T'inquiète pas, je vais te renvoyer encore en enfer avec une caisse. En plus, c'est sympa parce qu'il laisse pas sa caméra à n'importe qui. Ah non, ça c'est sûr. Et j'ai trouvé juste que le manche il collait un petit peu, donc je sais pas où est-ce qu'il l'a mis. Ah, mais d'accord. J'ai trouvé ça bizarre. Je finis la vidéo, je vais aller me laver les mains. T'inquiète voilà. Pas, tu sais d'où il sort le manche? Je l'ai trempé tu sais, dans un bidon d'huile de Castrol Edge. Ouais, tu sais, ça, ouais. En 1060. Castrol. Tu vois, pour les voitures un peu sportives. Non, voilà les amis, c'est vrai que bon, on a changé un petit peu. Ça change, voilà. Ça fait toujours plaisir de changer. C'est la fin de l'été, donc on profite. Ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Honnêtement, moi, je suis scotché des sensations malgré le X-Drive. Je pensais vraiment en début de vidéo que... Pas que j'allais être blasé, mais que voilà, on connaît un peu, on sait comment ça marche. On avait tourné d'ailleurs un 313 X-Drive en série F. Ça marchait bien, mais c'est vrai qu'il était assez pisé. Celui-ci ne l'est pas. Et vraiment, c'est une bonne prépa sécurisante, en tout cas, pour quelqu'un qui aurait vraiment peur de la propu, ben de passer sur un X-Drive. En tout cas, les sensations ne sont pas gommées. Mais je vous recommande cette prépa. Pour info, je l'ai passé au banc, moi, ce matin, chez Von Racing, à Montpellier. Donc, c'est des confrères à moi, c'est des amis. Hein. Ils ont leur entreprise, j'ai la mienne. Le respect. Voilà, on fait la même chose, mais ce sont des amis. Voilà. Donc, pour tous les passages en 4 roues motrices BMW, je les passe chez eux. Donc, à la sortie, 480 chevaux et 940 newtons. Et il faut savoir qu'une fois ici, parce que je n'avais pas le temps de faire de mise à jour sur leur banc, parce qu'ils avaient du travail, une fois ici, on a fait une mise à jour un peu plus corsée. Donc, moi, je l'estime facilement entre 400... 85 et 490 chevaux pour 950 newtons. Ça arrache. Ouais, franchement, ça arrache. Non, beau résultat. Franchement, beau résultat. Moi, je suis scotché, j'ai bien aimé donc cette vidéo. Bon, donc, voilà, famille. N'oublie pas, abonnez-vous à DC Performance. Il a une chaîne YouTube, les frérots, vraiment, je vous demande. Abonnez-vous à DC Performance. Et vous abonnez pas au Connor Holcar, c'est de la merde. Allez me voir moi. Moi, c'est mieux. Ok, là, je rigole. Big up. On va le censurer, les gars, celui-là. DC Performance, O'Connor Holcar, c'est la famille. Abonnez-vous, ça coûte rien. Partagez au maximum. Et la prochaine vidéo, ça sera, ben, ça sera moi. Et ça sera lui qui va me filmer. Ça, c'est bon. Voilà. Avec plaisir. J'ai hâte. Ciao, ciao, la famille. Salut.